Waza les mateurs, djadjef sama gars, welcome to the Matme vidéo. Aujourd'hui, on est là pour voir ces critiques, épisode 5. Hein. Donc, c'est le concept que les gens aiment bien parce que je vais voir sans langue de bois, sans tabou. Ce que je vais sentir, c'est que le petit chel moussel, la déontologie, je peux contribuer au développement de notre artiste. Voilà. Donc, nul n'est épargné des critiques. Donc, tant que nous les critiquons, de les soigner, des temps de bail, quel type de temps y aura peut-être, en tant qu'artiste vidéo que gis, man lola tu double créer des idées aux artistes, du bail quel, je veux pas dire que je suis un expert ou le de proclamer expert en marketing ou en communication et tout ça, mais juste ça m'a tarossé le live, y a une chose de me dire discuter avec lui, donc ce qui revient le plus, lola nous dit qu'on partager avec lui quoi, vraiment. Les fanatiques encore, disclaimer, vous voulez finir dans les commentaires, les sagas, vous voulez nous faire une affaire, vous voulez arranger les artistes, vous voulez les connaître négativement. Les gens qui ont fait juste pour le développement de la culture urbaine, le rap, le hip-hop au Sénégal. Donc, trêve de blablatage, vous voulez nous sommes tout de suite les 4 artistes qui ont ciblé dans les gens. Je vais commencer par grand. Hein. Le premier artiste que je voulais évoquer, c'est le grand Djili Bardab. Mettez du respect sur Djili Bardab quoi. Grand bi jox len ko tieur. Grand bi bo len xamul ma fatale len kan moy grand bi. Grand bi c'est le membre de 5e underground, un mythique groupe xam bo xamne Medina le baye ko rue 5 bi mom lañu jël tuddé ko sen groupe. Ils étaient signés chez Simon bo xamne peral bu nekkone à son prime, Simon bo xamne il était intergalactique. Il avait 5e sous ses rangs quoi vraiment. Ñu bari bu ñu wax 5e lan lañu fatalé ko moy clash bu ñu amone ak Canvas voilà moy lo fog ak tout ça amna lu jotta xew pen pic Canvas gi ci bopam mu def lu mu def ñu bari xam polémique yi bari na tout ça mais ça n'enlève en rien compétence wa 5e underground lek su mu wax 5e underground c'est le groupe mais là je m'intéresse plus ci le grand Djili Bardab quoi parce que dans la légende le waxe King Punch. Déjà, c'est un clin d'œil à son punch after punch. Il y a beaucoup de gens qui ont matrixé. Et Marto, qui a été dit, c'est un punch et référence et tout ça. Il est très bon en matière d'écriture et rap. Vraiment, c'est ce qu'il y a dit. Ton grand B, il a une carrière assez atypique aussi. Parce que bel album le Jodhé Def, Yag Baoul Dara avec son acolyte. Par la suite, séparation du groupe, Moudi me revenait avec des concepts de freestyle et tout ça. Moudi fait un son vraiment qui m'a beaucoup plu, moi, Ghetto Life. Moudi fait non. C'est un son que j'ai vraiment aimé. C'est son top son aussi, du 5e, moi, Don't Even Buzz, quoi, à chaque fois, donc, voilà. Donc, Mylène m'a coupé ventilateur, prendre un bruit peut-être de la nationale. Mangide à Tangai, c'est les aléas du direct. Nous voir un peu qui son nouveau single là, moi, Le Daru. Faut que la bague nous taro. Son bi vraiment j'apprécie l'approche vraiment le fait que mu ñew def clip après autant de temps xamne mu yone kawga et tout ça il a pas fait de son gis nañ ko Galsen Hip Hop World bi mu def cypher old school et tout ça mais il y avait pas trop de propositions té j'ai vu ses sorties aussi interview mu def ak DJ Bala ñu koy shout out néna vraiment mom il est pas trop présent quand t'es beaucoup bon dès que le discours tu sens qu'il est pas il est un peu détaché du rap de ce qu'il se fait bon il est plus dans le truc on peut dire ça donc mon dernier boy ñoké réclamé son mouké donc il est venu il a fait un clip moi il leuk daru son mon ko déglo j'ai écouté la prod rek mon éco non j'étais pas d'accord grand peut-être il a essayé de s'adapter à ce qui se fait mais c'est pas son type beat quoi vraiment pour ne pas être méchant pour ne pas être sévère grand vie boom bap moi sa affaire à la rigueur boy ñow sax ci style beat moi trap et tout ça gis nañ amna quelques percus xam mu xaw am ay sonorité malax et tout mais refrain bi rek moy problème son bi punch bi baxna flow bi dessna vraiment technicité bi xam nga duma fi nek di la jox cours wala déjà expert mais képp ko déglu né xamné tu n'es pas à l'aise quoi dans sa zone de confort ci son bi donc pour mëna venir ci loi il faut nga nek au diapason c'est vrai nek auto ci affaire mais il faut écouter ce qui se fait nga jëm téggu bu ba lutax mo longévité ci game bi. C'est ça, il a su s'adapter, il a su djeli lan mo wara ñew mu nekk ci quoi. Donc bo nekkatu ci course bi bo wara ñewat soit da nga ñew sur les bases lu leen ñi xamal wala bo dé da nga ñew ci solution bi tu te fais aider quoi vraiment mais refrain bi rek moy problème son bi ak technicité bu ci djému tek vraiment ci man ça ça n'a pas ça xam nga ñu koy waxé vraiment à part ça diko shout out xam nga
diko wax tamit ñu ngi xaar un projet pourquoi pas quoi vraiment mu nekkat ci affaire quoi parce que amna lu dess quoi il a des restes amna lu dess voilà pour ne pas trop tarder tirer en longueur ñu dem ci deuxième cas bi donc le deuxième cas c'est Majestic Drama dama ñeu un peu ci mom déglu na projet bi de fond en comble dama bok David diko déglu ci sama précédent vidéo yi may def waxna né ciup daf may fajj voilà j'ai eu vraiment un coup de cœur du projet bi mais le projet ci man c'est pas homogène manam amul ligne directrice amul genre c'est pas des fois même c'est scindé quoi il y a deux parties ci ci son bi il a fait peut-être une approche côté Galsen mais après tu te perds quoi dès qu'il faut ni sax yang déglu un album pas made in Galsen quoi vraiment il a essayé du Amapiano gis nañ son dope bu mu def ak Mr. Cash d'ailleurs mon amna remix ñu ngi xaar lool non je veux pas trop critiquer l'album c'est un très bon album mais c'est en homogénéité manam son yi am nek dans la même logique genre comme nous mêmes que expliquer genre dégay santé amna made in Garden ak made in US peut-être la deux cultures xamné mom le xam nekone États-Unis nek na Sénégal mais aussi album day am ki quoi beaucoup de dégay xamné li c'est un album quoi tu vois par exemple bu ñu wax album mo jox exemple basique album mariage par exemple genre dañuy def photo yo xamné ça concerne le mariage mais imaginez que ubi ben album mariage nga fekk fa ay photo kuy football wala photo ngenté wala yo ñu jaxé ko donc fof lay waxé quoi j'espère que peut-être di nga comprendre lool non les ñu ñow ci mom de façon personnelle lui quoi gis nañ si c'est sorti il se sent un peu frustré du fait que amul yenen artiste yi amul retour yenen artiste ci projet genre participer wuñu ci ko ci melni Deep ak BMJ mais man dama lay poser question Majestic tu t'attendais à quoi xam nga dañu nan ba bañu fété xam nga fété day xagn wërse quoi ragal fété day xagn wërse déjà fété yow ya nga liggé ak Buzz Lab ya nga ni ni tu es carrément à Comzo légui le camp adverse ya en réalité que là yow bi nga ñëw da nga j'ai vu de tes sorties bo xamné genre ni ngay waxé on sent que carrément Comzo moy sa artiste et tout ça que lé néxul ak Comzo yow légui businessment parlant ya waxé waxu émotion et tout ça émotion dina am tu vois donc mon amna fumu jaar ak waji c'est logique que il va pas participer ci ce projet voilà ak ni nga non communiquer aussi arrogance bi nga non indi ñu ñep tek na ci suñu beut ni nga tiré tu as tiré ci 814 yo dem nga beut interview Sénégal nga né il sera que il mo la mak fukki junior il do sa morom peut-être ci âge peut-être xom fan ngay waxé mais dem melni ngay rabaisser nit ki pour mëna yékkel sa bop en valeur quoi tu as un peu dénigré ça mon sa certification parce que il y a un wax ci chiffre et tout ça c'est une réalité yo ce disque d'or am nga ko mom tamit jox nañ ko ben certification bo ci mënul wax lo rafet tu t'abstiens quoi mais gens bou dire tem bag di jaay non ci les gens di nga bok et tout ça quoi peut-être man fof nga fausser le pas te is beaucoup tiré tu tires aussi sur type parce que ñom ñaan c'est comme ça donc il fallait s'attendre à ça donc dans le général man fof lay waxé bo ñew neutre xam nga liggé ak ñep yaatal sa bop baña bo am yeen façon de communication ngay def tu pourras travailler avec tous les artistes que tu veux mais n'empêche de le féliciter ñi nga sélectionné ci projet vraiment c'est de grands artistes tal bi Mr Cash Wizikana boy Métis bi nek ci taga bi vraiment xam nga foko loxaté mais il est chaud voilà donc di xol peut-être est-ce que di nga accompagner promo projet bi on va que financer net j'ai fait quelques clips rien mais on attend plus est-ce que tu vas défendre le projet jusqu'à loin on ne sait pas voilà donc nous allons sur le troisième sujet puis je vais parler de stagiaire chinois bi artiste très 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 sous côté quoi selon moi waxna ci waxat na ci ci ñi jogé ci flow bi ci man mo ci un potentiel mo ci dakh rap man mako wax wa tirez-moi dessus wax leen leen neex ci man tagi ci mo meun dans toute l'histoire de flow up quoi man mako wax déglu na son bi fagn pain quoi diko déglu mo punchline référence mi défé tout ça nous moromou gaay vraiment mais je vois que il est trop sous côté lan c'est dû à quoi absence yeen sa gaay dañuy tok ay years do leen gis do leen dég ñu ñu di leen enchaîner son té façon yi mi génné son yi c'est pas le timing n'est pas bon mo le mo waxon ci tamba posi day ñeu rek di génné il y a de la créativité il y a du budget il y a tout mais façon bi
promo artiste nga il faut savoir faire parler de toi tu t'es marié jouer ci lool non artiste nga tout personne lambda kané da nga gis ki tak jabar après xam nga ni snap di defay TikTok di jay lifestyle di vendre rêve déjà tu es une personnalité publique c'est vrai mënga garder sa vie privée mais il faut nga jox consommateur yi ñu xaar dara ci yow quoi même si tu sors pas de musique il faut faire l'actualité. Il y a beaucoup d'artistes qui sont aux États-Unis, qui font de la musique, mais font l'actualité. L'usivert, tout le temps, ils créent l'actualité. Boudou Diamant, Boudou Technique, Boudou Kid. Allez, il ne peut pas gagner des projets, mais il fait parler de lui, mais il ne peut pas gagner des projets. Donc, tu ne nous donnes rien à se mettre sous la dent. Donc, il faut enchaîner avec Moustapha Nam, et Apéro, et Affaire Vieux. Mais, gars, ils ne vont pas répondre. Ça, il y a des difficultés pour monter en statistique. C'est vrai, il y a une stratégie clash avec El Jazz. Vraiment, c'était bien pour toi. Tu as tout omso répondre mais c'est pas une finalité continuer di jam gaay parce que rap yeufu say say la tan Asa Broki mu ngi dal Travis Scott mu ngi waja gene Utopia xamna ni waji mu ngi waji yeungal il va s'agripper il va lui coller aux fesses donc il faut que am genre affaire comme li waji projet tout mais xalatal ci lo stratégie bi faut que sonal gaay faut que présent gaay di la baye xam les générations qui écoutent ils avancent jeunes ils ont gëna déglu tay si tu fais pas l'actualité ils vont pas s'intéresser à ce que tu fais donc nous terminer avec Agbest loy dama ci yag quoi Agbest Narbi vraiment ben remarque lay def gis na ni le fait que yeen gars di def ay rambax ay affaire yo non mu ngi réussir mu ngi lay tenter tamit jëm nga wurus ngalam tout ça son bi c'est passé inaperçu man ce fort lay wax man yow ce fort Agbest c'est les sons bo xamné c'est émotionnel c'est le son storytelling lool moy sa fort bul baye li la jik lo xam yang koy def mou lay réussir continue comme ça tu as du vécu tu as des choses à raconter raconte ces choses là mais bul djema ñew ci rambax bi gis nga train bi fofu non mu ngi avancer gëna dagay agripper fofu so son bi nga teaser bi nga def yow ak bastion bi vraiment c'est éclaté c'est rincé son bi doxul ay bessa fi né ay lég li ça va pas c'est pas catchy amo kala may amo neex bob non amo neewul ci yow quoi di samba pesé du li nek ci yow gangster nga man dama lo carrément je dis les termes quoi il faut faire des sons émotionnels storytelling gangster rap son love aussi tu as la recette ah amna ñaar son love nga def nice bien que deuxième ça pas trop réussi mais am nga affaire bi genre son love yi cool yi mélodique yi am guitare et tout ça tu peux le faire son émotionnel comme yaay wax ci sa life yaay wax ci société bi yaay wax ci politique bi surtout sur son adverse son bu tudd adverse ci bopom son bop genre son yi nga mën est politique et wax ce point de vue que cache xam nga et tout ça tu es bon dans ça donc continue à nous pondre tes choses comme ça ñu ngi xaar SDF bu ñu def comme à la cao prep dip ay ñettali beut affaire ñu xaar wala médocratie 10 ans gisunu projet SDF mu ngi bëgg yaag bu ngi ko communiquer sur ce secret episode 5 jaxna donc gis ngeen mayo bi mu sol mu am sama tour ci ginaaw et tout wa bor business mu nekk rond-point JVC store waaw ñoo mako ciaw mën ngeen fa dem mayo bi 10000 lay jaar flocage bi 2000 francs muy 12000 ñu defal mayo last cri moy lool ñom ñoo fi jaar donc merci beaucoup à la prochaine gisa numa ñaxé xam nga critique bi ni def na ci énergie wax na sama point de vue joxé lañ sen contribution dans les commentaires je vous remercie joyeux noël yaangi ci lal bi maangi ci talé bi yaangi ci kër gi maangi ci naaj bi fessel force taxu ko nek baw nek boñé pablo ci ce bendo bi ak ñoy avancer c'est très logique c'est pas biop ñokoy patio fils bu go ñafé bëgg doon o ji yamara mom da fay xaré ba dé mu ñafé da ko donné ci mère juruma way ñeboté na mo rax sañuma kepp sas bi ñuma yenn lima soxla ëpp fuuf lima tital bañuma kenn ko ma di ngat né ko boy dama dëggu ci ay jëf motax kenn fi mënuma tiñël loxo bu tilim mo japp ci xaaliss bu lew